Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette émission Point d'actualité. Nous sommes là, nous avons effectué un déplacement pour aller voir l'un de nos invités, bien sûr, pour cette émission. C'est bien M. Serge Mbaka. Il est de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Avec lui, nous allons analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo, comme vous le savez bien. L'état de siège continue. On doit normalement faire le 20h un mois après, malgré qu'il y ait une prorogation de 15 jours. La loi a été adoptée au sein de l'Assemblée nationale. Nous allons parler sur le dossier visa, ça divise encore, puisqu'on nous signale qu'il y a eu quelques ministres hauts responsables de l'État qui utilisaient les cartes visa pour utiliser abusivement l'argent de l'État. Nous allons aussi parler sur la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le sénateur. Et pourquoi pas aborder le sujet de réforme électorale en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité, M. Serge Mbaka. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Après tant de reports, enfin, on est là. Oui, on est là, donc par la grâce de Dieu. Nous continuons toujours à porter un plus dans la société et puis nous prions pour le pays. Comment se porte l'Union pour la Nation congolaise? Oui, ça va. Le parti se porte bien, comme tout autre parti, donc il n'y a pas un problème. Nous avons vu des nominations. Aujourd'hui, il y a un nouveau secrétaire général à la personne de M. Billy Kambale. Est-ce que cela n'a pas créé des frustrations, voire Mayo qui devait revenir être directement remplacé? Non, non, il ne faut pas, lorsqu'il s'agit des questions des nominations au sein des partis, de faire toujours, de chercher à créer les entropies entre le secrétaire général sortant, disons, Mayo Mambeke, ainsi que celui du nouveau, qui est venu du nouveau. Non, non, non. Donc, le secrétaire général qui est nommé, c'est, on respecte les jeux démocratiques, on n'a pas un problème avec lui. Donc, c'est, il est là pour gérer les partis comme l'autre l'a fait son travail. Donc, on ne peut pas créer des isonies, dire que non, voilà Mayo, tout qu'on sort. Ça n'a rien à voir avec Mayo, c'est un parti responsable qui a, dont le président national a posé un acte tant que président national pour nommer et restructurer le parti. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est de l'UNC. Mais non, je vous donne, comme vous l'avez dit, je suis nommé, moi par exemple, je suis nommé secrétaire politique national adjoint en charge de la santé publique. Mais vous allez comprendre que je ne suis pas spécialiste de la santé. Je ne suis pas spécialiste de la santé. Je ne saurais pas pouvoir répondre à ces objectifs entendus. Or, étant communicologue de formation, expert en finances publiques, alors on devait en amont consulter les gens pour en savoir plus. Il s'agit de quoi une nomination? Il s'agit de quoi? En ma qualité de fédéral, je suis fédéral adjoint de la commune de Kisenso qui fait le socle de rester à la base consolidé pendant un temps, consolider de manière efficiente pour permettre à ce que les partis puissent aller en avant. Alors aujourd'hui, comme au niveau national, je sais que la base, ils sont tentés d'appeler, ils sont tentés de dire, ils sont tentés de pleurnicher. Donc c'est comme si on a fait l'abandon. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout court, donc cette nomination, à ce qui me concerne, scientifiquement, par rapport à la filière dans laquelle je fais partie, ça ne rencontre pas. Donc vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette nomination? Dire d'accord, c'est trop dur, mais scientifiquement, ça ne correspond pas. Donc vous préférez qu'on vous laisse comme... Je dois rester... Comme interfédéral dans, je, non, non, pas interfédéral. Je dois rester dans l'assiette pour gérer la base. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire une descente avec vous à Kisenso. Mm-hmm. Nous avons créé, nous avons fait des histoires de réaliser certaines actions sociales. Par exemple, des forages. Il y en a plus de 5. Nous avons créé des structures dans notre ONG, organisation non gouvernementale, Toto Sunganambaka. Vous allez voir des structures avec les mamans que nous aidons avec les microcrédits. Et vous savez, ces gens-là, ils ne vous voient plus sur terrain. Et vous êtes au niveau national. Est-ce que, quelle serait la suite? Donc nous sommes dans l'obligation de protéger cette base qu'on a milité depuis Belirect. Qu'aujourd'hui, que nous les laissons comme ça. Vous avez peur de voir votre base vous être arrachée? Non, mais ça, c'est une base naturelle. Nous sommes des lières dans nos coins. Nous sommes dans l'obligation. Vous savez, je vais vous dire une chose révélée.
Moamba, ce n'est pas un endroit dans lequel les gens doivent blaguer. Non, non, je te dis sincèrement, mon frère. Lorsque vous me posez cette question, Moamba, c'est l'une des circonscriptions électorales qui fait la fierté de ces partis. Est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui la guerre est déclarée entre le jeune ou le groupe qui soutenait Mayo Mambeke et ceux qui sont arrivés, puisque voir cette nomination-là, c'est comme si on vous détachait de... Nous sommes dans l'obligation de soutenir notre parti, l'Union pour la Nation Congolaise. L'excellence ou l'honorable Mayo Mambeke est dans l'INC. Alors, il est candidat au sein de Moamba. Mais ça dépend d'une personne à une autre s'il veut le soutenir. Mais nous, nous le soutenons tant que député national dans les partis et non en dehors du parti. Est-ce qu'on a créé un autre parti au sein de Moamba? Non. Mais nous, nous disons le fait seulement tant que moi, fédéral adjoint, en charge des questions électorales et stratégiques, je ne peux pas dire quelque chose à son contraire parce que cette nomination ne rencontre pas ma filière par rapport à la communicabilité que j'ai avec la base. C'est dans ce sens que je vous dis tout court. Donc aujourd'hui, on comprend déjà que des nominations au sein de l'UNC créent un peu des problèmes. Alors l'administration ou ceux qui ont l'habitude de nommer les secrétaires généraux, voire même le président national, sont quand même appelés à revoir les... C'est la base qui réclame. Consulter. Nous n'avons pas voulu que les gens viennent pour que nous puissions faire des marches. C'est notre parti. C'est un problème que nous allons les régler de manière interne. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes là, nous soutenons le parti jusqu'à la fin. Nous ne pouvons pas aller en dehors. Nous sommes très contents, nous prenons acte. Mais cet acte que nous prenons, cette nomination ne rencontre pas. Je ne suis pas médecin. Qu'est-ce que je dois faire à la santé publique? Ni spécialiste en médecine. Vous allez dire quoi? Est-ce que je maîtrise la question d'Ebola? Ce que moi je maîtrise, c'est la question des terrains. Je sais les comportements des gens, en faire les analyses prospectives à ce qui concerne les gens que nous gérons. Celui-ci il a besoin de ça, il faut lui donner ça. Celui-ci a besoin de ça, il faut faire ça. Voilà le travail de fourmi que le parti doit devenir encore plus grand. Nous ne sommes pas... Moi d'ailleurs, je vous dis, mon cher ami, et je le dis depuis longtemps, je n'ai pas besoin de venir même secrétaire général. J'ai besoin de rester là où je suis. Je me sens très à l'aise pour regarder la base, les gens dans lesquels que je suis en train de gérer. Vous voyez, donc c'est dans ce sens que nous sommes tentés de parler. 2023 arrive, on sent déjà que l'UNC risque d'aller en ordre dispersé avec tout ce qui arrive là. Non, non, la démocratie ne nous oblige pas de le faire. L'UNC, c'est un parti qui n'est pas divisible. Nous sommes là, nous travaillons pour l'INC. Nous allons continuer à faire nos implantations dans nos structures et nous allons continuer à travailler de manière immense pour permettre à ce que ces partis deviennent un grand parti comme c'était toujours d'habitude. Vous avez, on a vu procès en appel de Vital Kamerhe. Il y a eu une marche organisée, dispersée par la police. Vous êtes en coalition avec le CASH, avec l'UDPS. Mais voir que vous qui êtes au pouvoir, vous cherchez à marcher et que vous êtes bloqué, est-ce que cela ne prouve pas qu'il n'y a pas cette odeur-là de sainteté entre Vital Kamerhe et le président de la République? Il ne faut pas me ramener dans l'odeur de la sainteté parce que je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a une relation entre une femme et un homme, l'objectif c'est d'arriver dans le mariage. Et c'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. L'INC ne peut pas être l'ennemi de Cash, ni de l'Union sacrée. Parce que je vous dis, nous soutenons les chefs de l'État. Nous sommes censés, et c'est ce que nous sommes tentés de faire. Nous remercions les chefs de l'État de tout acte qu'il est tenté de poser. Ce que nous trouvons que non, voilà, c'est un grand chef et c'est un grand parent qui maîtrise le pays et qui arrive à mettre ensemble, c'est un grand rassembleur. L'INC n'a aucun problème. L'INC est un parti politique. Vous allez faire la part des choses. L'INC étant dans une coalition, réclame l'acquittement du président national de l'Union pour la Nation Congolaise. C'est tout court, ça n'a rien à voir avec les autres que ce que les gens pensent. Mais s'il y a des gens pensent qui disent que non, voilà, il y a séparation des mariages, on est en démocratie. On ne peut pas chercher
à étouffer l'expression des autres. Il faut les laisser. C'est la constitution de la République qui donne cette ouverture, en sorte que les gens arrivent à dire ce qu'ils disent. Ça fait logique, c'est normal. Pourquoi on fait un problème? 2023 arrive, le chef d'État lance déjà les hostilités. Il a même parlé avec le sénateur pour dire 2023 arrive, il a besoin des élections crédibles où il y aura peu de contestations. Vous serez derrière Félix Antoine Tshisekedi et l'UDPS ou vous allez peut-être avoir un autre candidat? Ce que je peux vous dire, mon cher journaliste, je ne peux pas vous dire jusque-là ce que mon parti n'a pas encore dit pour confirmer aux médias. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés en 2023. Mais particulièrement, je soutiens les chefs de l'État. Je dis bien, particulièrement, je soutiens les chefs de l'État. Parce que je le soutiens par rapport aux actions, je le soutiens par rapport à la vision, je soutiens les chefs de l'État par rapport au combat que l'INC aussi avait contribué. Donc, je ne peux pas prendre un mot sur ce qui concerne les partis parce que le 2023 n'est pas encore arrivé. Sans oublier qu'il y a eu accord de Nairobi où Félix Antoine Tshisekedi devrait soutenir les candidats Vital Kamerhe ou de l'UNC. Est-ce que vous ferez je crois bien que vous devriez lire cet accord-là pour savoir quels sont les préalables. Ce n'est pas aux médias. Il faut mettre ça dans les à côté. Parce que mettons ça dans les à côté dans le sens que vous devrez d'abord avoir la connaissance de cet accord. Non, c'était ça l'accord. Non, moi j'aimerais que vous puissiez les lire devant les gens. Que c'est Vital Kamerhe, ça vraiment. L'Élysée. C'est l'UDPS qui devait soutenir. Je ne peux pas dire une chose à son contraire. C'est que les gens disaient, moi j'aime pas des tralala de la rue. Vous prenez les documents de l'accord, vous les lisez ici aux médias, c'est fini. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Lorsque vous allez les lire, vous allez comprendre qu'il y a ceci, cela. Mais je ne peux pas affirmer quelque chose que moi je n'ai pas pris connaissance. C'est dans ce sens-là. Donc nous sous dialogue, je peux vous dire, le dialogue est permanent dans toutes les sociétés. Le dialogue est permanent dans toutes les sociétés. Mais dans ce stade, quel dialogue pensez-vous? Le président de la République vous a demandé encore le dialogue jusque-là? Non. Non, nous allons soutenir la vision et les actions des chefs de l'État. Et ces actions-là ne nous demandent pas jusque-là le dialogue. À quoi sert-il de discuter ça aux médias? Il faut demander ceux qui ont besoin de dialogue, de dire la vérité aux Congolais. Peuple congolais, pardonnez-nous, parce qu'on avait besoin de pouvoir entrer dans ces gouvernements. Mais par la difficulté, s'il y a des brèches, on peut ouvrir pour que nous entrons. Mais nous, nous sommes là, nous soutenons le gouvernement d'Union Sacrée. Nous ne pouvons pas à ce stade que la République l'Est. Vous savez combien qui sera mis en place pour donner à ces dialogues que les gens pensent? Qui doit donner l'argent? S'ils ont besoin d'argent, et ils mettent l'argent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République n'a pas besoin de dialogue parce qu'il y a un président élu et un président qui est tenté de conduire ce pays avec beaucoup de diplomatie au moment pour l'intérêt de la société. Félix Tshisekedi, président de la République, est accusé d'incompétence. Aujourd'hui, depuis qu'il est au pouvoir, rien ne marche. La population souffre, mais vous êtes en train de les soutenir aveuglément, comme on peut le dire. Mon cher ami, je vous dis, même si vous arrivez aux États-Unis, il y a ceux-là qui souffrent. Même si vous arrivez en France, il y a ceux-là qui souffrent. La souffrance, ce n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. La souffrance, c'est dans les coins et ce n'est pas tout le monde qui souffre. Ça, c'est un principe sacré. C'est-à-dire quoi? Je ne dis pas parce que moi je suis, peut-être je touche 1000 francs, mais je le dis, vous allez voir même dans la Bible, tout le monde n'était pas au même niveau. Comment toi tu veux être boss? Moi aussi boss, l'autre boss. Qui doit travailler pour l'autre? Non. La vie a trois catégories. Nous avons des classes. Il y a des classes, ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont moyennes, et classes aussi inférieures. Donc, il ne faut pas que nous confondons les choses. Effectivement, il y a la difficulté. Là, j'avoue, il y a la difficulté. La souffrance est là. Le peuple congolais souffre. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ans bientôt. La question liée des dialogues, je peux vous dire, le dialogue est permanent dans toutes les sociétés. Le dialogue est permanent dans toutes les sociétés. Mais dans ce stade, quel dialogue pensez-vous? Le président de la République vous a demandé encore le dialogue jusque-là? Non. Nous, nous allons soutenir la vision et les actions des chefs de l'État.
Et ces actions-là ne nous demandent pas jusque-là les dialogues. À quoi sert bon de discuter ça aux médias? Il faut demander ceux qui ont besoin de dialogue, de dire la vérité aux Congolais. Peuple congolais, pardonnez-nous, parce qu'on avait besoin de pouvoir entrer dans ces gouvernements, mais par la difficulté, s'il y a des brèches, on peut ouvrir pour que nous entrons. Mais nous, nous sommes là, nous soutenons le gouvernement d'Union Sacrée. Nous ne pouvons pas à ce stade que la République l'Est. Vous savez combien qui sera mis en place pour donner à ces dialogues que les gens pensent? Qui doit donner l'argent? S'ils ont besoin d'argent, et ils mettent l'argent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République n'a pas besoin de dialogue parce qu'il y a un président élu et un président qui est en train de conduire ce pays avec beaucoup de diplomatie pour l'intérêt de la société. Félix Tshisekedi, président de la République, est accusé d'incompétence. Aujourd'hui, depuis qu'il est au pouvoir, rien ne marche. La population souffre, mais vous êtes en train de les soutenir aveuglément, comme on peut le dire. Mon cher ami, je vous dis, même si vous arrivez aux États-Unis, il y a ceux-là qui souffrent. Même si vous arrivez en France, il y a ceux-là qui souffrent. La souffrance, ce n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo. La souffrance, c'est dans les coins et ce n'est pas tout le monde qui souffre. Ça, c'est un principe sacré. C'est-à-dire quoi? Je ne dis pas parce que moi je suis, peut-être je touche 1000 francs, mais je le dis, vous allez voir même dans la Bible, tout le monde n'était pas au même niveau. Comment toi tu veux être boss? Moi aussi boss, l'autre boss. Qui doit travailler pour l'autre? Non. La vie a trois catégories. Nous avons des classes, il y a des classes, c'est ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont moyennes, et classes aussi inférieures. Donc, il ne faut pas que nous confondons les choses. Effectivement, il y a la difficulté. Là, j'avoue, il y a la difficulté. La souffrance est là. Le peuple congolais souffre. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ans bientôt. Aujourd'hui, quand nous voyons le gouvernement Sama Lokonde, est-ce que vous pensez que ce gouvernement est à mesure de répondre aux attentes de la population? Mais comment pouvez-vous penser qu'un gouvernement des responsables ne peut pas être à mesure de pouvoir répondre aux attentes? Les gens pensent rien que les attentes de la population, ce n'est que mettre le pain dans la bouche. Ça fait partie. Mais aussi, le social, c'est la gratuité. Lorsqu'on a la gratuité, c'est le social. Lorsqu'on est en train d'élever la justice, ça fait partie dans les sociales. Parce qu'on ne peut pas élever une nation sans la justice. Lorsqu'on est en train de résoudre les problèmes de transport avec les transco, c'est les sociales. Donc, mettons dans les oubliettes les comportements calamiteux de ceux-là qui disent que le gouvernement de l'Union Sacrée ne doit pas être en mesure de pouvoir répondre aux besoins. Non, il doit répondre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez posé la question liée de l'éruption qui a eu lieu à Goma. Mais le gouvernement est allé faire quoi? Porter un soutien. C'est un soutien. Le soutien là, c'est quoi? Donc, il ne faut pas créer des zizanies dans des choses simples. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, je sais que la difficulté, soit les difficultés sont là, mais ce que nous allons comprendre aussi, le président de la République et son gouvernement sont tentés de travailler pour pallier à la situation. Donc, je crois, Dieu voulant, dans un laps de temps, il y aura des résultats propices que vous allez trouver et ces résultats-là, ça sera des meilleures choses pour les Congolais. 2023, je reviens sur cette question. Pour vous, qui serait le meilleur candidat parmi tant d'autres? Jusque-là, le meilleur président, c'est le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Le meilleur candidat? Non, je ne reviendrai plus encore là parce qu'on n'est pas encore arrivé en 2023. Donc, je souhaite que cette question me soit posée pendant l'année dans laquelle vous faites allusion. Là, Tshisekedi a quel bilan aujourd'hui? Mais je vous si dis, on devait parler même pour 2-3 ans, il a quel bilan puisque c'est largement négatif? Vous savez, le bilan doit être équilibré. Lorsqu'on définit le bilan, il faut comprendre. Nous avons les actifs et les passifs. Et dans les actifs, il y a quoi? Dans les passifs, il y a quoi? J'ai comme l'impression que les gens veulent donner le bilan du président de la République dans la troisième année. Mais attendons 5 ans, vous aurez le bilan. Vous avez peur de quoi? Mais déjà, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Vous n'allez pas comprendre. La guerre continue à l'Est, la population continue à souffrir, les embouteillages. Mon cher ami, écoutez. La faim, voilà. Écoutez, je vous ai demandé à l'Est tous les présidents qui sont passés. Soit je prends à l'Est de 2000 à nos jours. On a déjà décrété l'état de siège. Qui a décrété ça? Est-ce que ce n'est pas la bonne volonté? Est-ce que ce n'est pas la bonne foi vis-à-vis de la population? Il ne faut pas créer certaines choses que
inexistante. Donc, laissez le président de la République de faire son travail avec son gouvernement dans les calmes. Je sais, il faut qu'il y ait des colibés, des histoires, tout qu'on sort, mais je vous dis, je vous rassure, le gouvernement d'union sacrée doit répondre aux besoins de la République comme le Premier ministre vient de faire là, ce sont des actes. Le taux d'échange, vous avez vu comment on est tenté de faire. Mais on est habité par une situation que nous appelons la situation monstrueuse. C'était quoi? C'était la Covid. Vous savez, pendant la période de la Covid, combien de sociétés dans lesquelles vous pouvez faire allusion, ils ont perdu l'argent, ils ont perdu la population. Mais avec la communication efficiente, la gestion de la Covid, vous allez constater que la RDC n'est pas parmi les pays que les gens pensaient que non, ce serait parmi les pays fracassants, touchés. Donc, comprendre que le vrai souci du président de la République, c'est de protéger les Congolais. Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement de la nation. Il ne peut pas faire une chose au contraire. C'est pour chercher comment faire sortir cette population dans les gouffres. Aujourd'hui, nous sommes en train déjà de chuter, les temps pressent. Aujourd'hui, comment se porte la population de Kisenso que vous avez toujours soutenue? Non, la population de Kisenso se porte bien. Et ils disent et ils réclament toujours que la matérialisation de tout ce que le président de la République sont tentés de faire, que cela soit fait. La route qui s'insort, qu'on avait commencé des travaux, on demande à ce que convienne pour qu'on enchemine, on continue avec ces travaux-là. Et nous sollicitons, nous disons, nous sommes entrés, il y a des difficultés, mais nous accompagnons par les organisations non gouvernementales, accompagnés de mettre d'abord de l'eau, parce que l'eau c'est difficile. Moi par exemple, j'ai mis à la disposition de cette population les forages. Nous sommes tentés de mettre des forages pour pallier à la situation. Et cette situation, c'est tragique. C'est ça ce que nous sommes tentés de faire. Nous accompagnons le gouvernement. Nous accompagnons le président de la République. Nous ne pouvons pas faire une chose que nous contredisons. Et nous sommes tentés d'encadrer les mamans maraîchères. Nous sommes tentés d'encadrer les jeunes gens avec l'auto-école Tosungana. Nous sommes tentés, tout ce que nous sommes tentés de faire là, c'est ce qui constitue une base forte pour que demain ou après-demain, avec la vision de l'Union sacrée donnée par le président de la République, soit matérialisée de manière immense. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Serge, un mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir invité dans votre émission. Et merci aussi à la chaîne. Je remercie presque tout le monde. Et je laisse le président de la République à la médicinière et l'honorable Maillot, qui est en train de travailler en synergie pour l'intérêt de la République et au niveau de l'Assemblée, ainsi qu'à sa base. Nous allons soutenir et ressoutenir notre député jusqu'à ce qu'il doit nous donner le sens de la politique véritable. C'est ce qu'il est en train de faire en accompagnant le président de la République. Nous ne pouvons pas faire une chose sans pourtant que nous accompagnions le président de la République, parce que c'est les chapiteaux, les garants de la nation qui donnent la paix à Kisenso ainsi que dans l'ensemble de la République. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à notre invité, M. Serge Mbaka, d'avoir répondu à ce grand rendez-vous. Un grand merci à Célé Tchamala qui était derrière la caméra et à la réalisation bien sûr de cette émission, et aussi à Platini Maloa à la régie. Bon suite des programmes sur votre chaîne. Nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir.